Union sacrée, tel est le mot d'ordre décrété par les joueurs et le staff de Coton Sport dans leur ambition de gagner leur match retour du second tour des préliminaires de la Coupe de la CAF face aux Green Eagles de la Zambie et décrocher par la même occasion leur ticket qualificatif pour le tour des barrages de cette compétition. À quelques heures de cette confrontation prévue au stade Omnisport de Roumdé Adia ce mardi 5 janvier 2021, les voyants affichent sérénité et détermination chez les cotonculteurs. On s'est bien préparé pour ce match-là. L'état d'esprit, on n'a pas de doute là-dessus. Tout le monde est prêt à affronter cette équipe. Et je pense que tout est mis en œuvre pour bien aborder ce match. Lors de leur dernière séance d'entraînement au stade Omnisport de Roumdé Adia ce lundi 4 janvier 2021, Kamilou Daouda et ses coéquipiers se sont imprégnés des consignes du staff technique qui se veut prudent face à des Zambiens gonflés à bloc qui affirment n'avoir pas encore dit leur dernier mot et croient mordicus à une qualification. Le coach Aboubakar Souleymano et ses poulains ont également à cœur de se racheter et regagner la confiance des supporters après leur défaite inattendue concédée à domicile il y a quelques semaines lors du match retour du premier tour de la même compétition devant UFC de Sokodé. C'est un match où, je peux dire, Sokodé a eu une seule occasion de but, ils ont marqué. Bon, on a ressenti un peu de fatigue chez nos joueurs. Et je pense qu'on a travaillé pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Je pense que nous sommes vraiment prêts pour ce match. En faisant deux buts à zéro à l'extérieur la dernière fois contre l'équipe togolaise, aujourd'hui, demain nous allons vivre presque le même scénario, mais sauf que là nous aimerons que ce soit en notre faveur. Parce que venir perdre chez nous, inaugurer notre stade par une défaite, vraiment nous aimerons faire un bon résultat demain et puis oublier cette défaite, cette première défaite sur notre stade. Demain nous promettons plus de sérénité, beaucoup de courage et de rigueur dans nos duels et nous serons un peu plus réalistes que la dernière fois pour essayer de marquer plus de buts et de faire plaisir à nos supporters ici dans notre stade Roumdé Adia. En prélude à cette rencontre, 6 joueurs de Coton Sport en stage avec les Lions Indomptables à prime ont également rallié la tanière des Verts et Blancs afin de renforcer l'effectif. La délégation zambienne, composée de 30 personnes, a rallié la ville de Garoua le dimanche 3 janvier 2021. S'agissant des conditions d'accès au stade Omnisport, en raison des restrictions imposées par la pandémie du Covid-19, seulement 500 personnes seront admises dans les gradins lors de cette rencontre dont le coup d'envoi sera donné à 15h30.